Bonsoir à tous et bienvenue pour ce deuxième débat des élections municipales TV7 et Sud-Ouest. À mes côtés pour animer cette heure d'échange, Xavier Sauta, journaliste à Sud-Ouest. On va donc parler du logement, un enjeu clé, vous le savez, de cette campagne. Et avec nous pour en parler, quatre des candidats aux municipales bordelaises. On a donc Thomas Cazenave, le candidat de la liste Renouveau Bordeaux, Nicolas Florian, maire de Bordeaux et candidat de la majorité municipale, Pierre Urmic, candidat de la liste Bordeaux Respire, et Vincent Feltès, candidat pour la liste Bordeaux Métropole des Quartiers. Bonsoir à vous tous, messieurs. Et bien sûr, on le rappelle que les autres candidats à cette élection auront bien sûr voix au chapitre sur nos différents supports. Petite nouveauté pour ce débat, c'est aussi vous qui allez poser vos questions. Un panel de Bordelais a été sélectionné et nous prendrons en direct les différentes questions que vous avez à poser aux candidats. Oui, merci Raphaël pour cette brillante présentation. Alors, on ne va pas vous abreuver de chiffres pour le début de ce débat. Néanmoins, on va en regarder quelques-uns qui vont servir de repères, qui vont nourrir ce débat. Alors, parmi ces repères, on va les voir à l'écran. Nous avons le prix au mètre carré à Bordeaux, qui est de 4 750 euros. Bordeaux est la troisième ville la plus chère de France, qui a vécu une augmentation des prix de plus 25% en 5 ans. Autre chiffre intéressant, 69% de locataires à Bordeaux, c'est un sujet que nous aborderons. 10 000 logements vacants, entre 10 et 12 000 offres Airbnb. L'airbnbisation, c'est un sujet qui se pose également à Bordeaux. 72% d'investisseurs dans le logement neuf, y a-t-il sujet? Nous le verrons. Et puis la question du logement social, 19% de logements sociaux à Bordeaux, quand la moyenne est fixée par la loi, est fixée à 25%. Petit rappel des grands chiffres, le nombre d'habitants à Bordeaux, vous les avez à l'écran. Le nombre de nouveaux habitants chaque année et les étudiants, plus 100 000 dans la métropole. Alors, c'est un sujet qui appelle beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions qu'on se pose. Faut-il continuer à construire? Faut-il arrêter? C'est un débat qui est très présent. Comment fait-on pour que Bordeaux devienne une ville accessible? Puisqu'on le voit, les prix sont très élevés. Troisième ville la plus chère de France. Et puis, il y a aussi une autre question, c'est la qualité du bâti, l'esthétique également, de ces grandes opérations ou de ces petites opérations. Alors voilà, messieurs, nous avons une heure pour débattre de tout ça, de toutes ces questions. Vous allez donc passer à la question. Alors, on l'a compris, se loger à Bordeaux, ça n'a jamais été aussi compliqué qu'aujourd'hui. Les prix ont explosé ces dernières années, on l'a vu. Si vous êtes élu maire de Bordeaux, messieurs, allez-vous faire baisser les prix des logements? Et si oui, comment? On va commencer avec vous, Thomas Cazenave, puisque on a tiré au sort et que vous êtes donc le premier à répondre à cette question. Je pense que la question du logement, c'est la priorité des Bordelaises et des Bordelais. Dans toutes les rencontres que je peux faire, on m'interpelle là-dessus. Il est devenu très difficile, très cher de se loger. Et je crois qu'aujourd'hui, les chiffres que vous rappeliez le montrent, l'explosion des prix de l'immobilier évince toute une partie, et en particulier les classes moyennes, pour pouvoir rester dans la ville. Et je crois qu'il faut changer de politique de logement et reprendre la main. Reprendre la main dans la construction, ça veut dire que la puissance publique doit investir. Le nerf de la guerre, c'est les terrains, c'est le foncier. Et je pense qu'on doit investir directement. Moi, j'ai proposé 300 millions d'euros sur 6 ans pour sortir des logements moins chers, à la location comme à l'achat, et redonner espoir à toutes celles et ceux, infirmiers, enseignants, retraités, qui se sentent progressivement exclus, de rester dans la ville. Il y a une véritable angoisse autour de cette question-là. Donc il faut redonner espoir, et pour ça, revenir dans cette politique publique qui, on doit bien le constater, et d'une certaine manière, nous a échappé. Collectivement. Donc réinvestir et que la puissance publique reprenne la main. Sur le constat, Pierre Urmic, si vous êtes élu maire de Bordeaux, qu'est-ce que vous faites? Alors d'abord, je m'efforcerai d'être à la hauteur de ce que doit être un nouveau modèle de ville. Car j'ai vraiment la conviction chevillée au corps que l'on vit la fin d'un modèle, la fin d'un système, la fin d'un cycle urbain qui amène Bordeaux aujourd'hui à la situation que vous avez brièvement rappelée, l'une des villes les plus chères de France, l'une des villes les plus embouteillées de France. Tout ça est dû à un modèle qui est arrivé, qui est aujourd'hui à bout de souffle. Je pense qu'il faut sérieusement réfléchir à comment va-t-on inventer un nouveau modèle. Les dommages collatéraux de ce modèle à bout de souffle, donc je les ai rappelés, il faudra enclencher un nouveau cycle, un nouveau système. Et là, je suis persuadé d'être en divergence totale, vous voyez, dès le début du débat avec certains, peut-être principalement M. Florian, sur ce nouveau modèle alternatif qui nous reviendra, qui reviendra au futur maire de Bordeaux et à son équipe d'inventer de toute urgence. Je pense qu'on ne peut plus accepter
d'avoir une ville qui est dans l'état dans lequel elle est aujourd'hui, où on ne peut plus se loger. Le prix du foncier, vous avez raison, le prix du foncier, Bordeaux, on est champion. C'est-à-dire que la puissance publique, l'équipe sortante à l'occurrence, s'est avérée totalement incapable d'avoir la moindre politique d'État. Même le seul outil le plus performant aujourd'hui, de l'avis de tout le monde, et là nous serons peut-être d'accord, c'est l'établissement public foncier. L'établissement public foncier, certains élus, comme nous écologistes, le réclamons depuis 2008. J'ai revu que c'était dans notre programme électoral 2008. Il a fallu attendre récemment, c'est il y a deux ans. Il y a un établissement public foncier régional. Vous n'avez pas répondu à la question. Oui. Vous faites quoi? Vous êtes maire de Bordeaux en mars. Vous faites quoi pour alors, faire j'ai baisser des tas de solutions, si vous voulez. Je peux d'ores et déjà les prévoir. Mais je vais totalement inverser la façon dont la politique du logement est appliquée. Alors, par exemple, arrêtez déjà le constat. Bordeaux, et je l'ai dit à Alain Juppé en conseil municipal, je me souviens qu'il n'était pas très content, je lui ai cité la une du Figaro magazine du 21 octobre 2016 qui s'intitulait « Bordeaux, nouvel Eldorado des promoteurs immobiliers ouais. ». Je ferai en sorte que Bordeaux soit plutôt l'Eldorado des Bordelais. On a livré cette ville à la promotion immobilière, totalement livrée. Moi, je ferai en sorte que, de façon tout à fait urgente, et je déclinerai hein, les moyens, ce ne sont pas que des grands principes, je déclinerai les moyens précis tout à l'heure, je ferai en sorte que la puissance publique se réapproprie cette maîtrise à la politique foncière qu'elle a totalement délaissée à d'autres, parce que la nature horreur du vide. Merci, et les promoteurs Pierre se sont engouffrés dans ce vide politique. Vous avez déjà débattu le temps de parole. Oui. Vincent Feltès, retour à la puissance publique. Bonsoir. Bon, c'est un sujet compliqué sur lequel il faut avoir un peu d'honnêteté. Le prix de l'immobilier dans toutes les grandes villes de France a augmenté. En Allemagne, la part du budget logement chez les ménages, c'était 12-13% au début des années 2000. C'était la même chose en France. Aujourd'hui, c'est 25%. Mais n'empêche qu'il y a des villes qui font pire que d'autres, et Bordeaux. Quand on compare les tarifs, les prix de l'immobilier d'une métropole à l'autre, il y a 15-20 ans, on était la 14e ou la 15e ville la moins chère de France. Aujourd'hui, on est la 3e la plus chère de France. Les statistiques que vous avez données sont intéressantes, mais elles ne parlent pas forcément aux gens. Pour être plus précis, aujourd'hui, pour acheter un T3, puis en plus les T3 aujourd'hui sont assez petits, il faut avoir à minima 6 000 euros de revenus en empruntant sur 20 ans. Tout le monde n'a pas 6 000 euros de revenus. C'est même une très faible part des gens qui ont 6 000 euros de revenus. Il faut aussi tirer les leçons de ce qu'on a fait ou pas fait. On s'est mis à produire beaucoup de logements à Bordeaux et sur la métropole. On a cru que ça allait faire baisser les prix. On s'est privé d'un outil que Pierre Urmic a évoqué, qui est l'établissement public foncier. Et maintenant, on ne peut pas accélérer en klaxonnant, en allant dans le mur. Donc il y a plusieurs choses qui sont assez simples à faire pour baisser le prix. D'une part, remettre sur le marché des logements qui existent. Airbnb, les logements vacants. Alors, jouer sur l'encadrement des loyers. Jouer sur ce qu'on appelle un bail réel solidaire qui permet de déconnecter le foncier. Il y a des mesures, ça sera plusieurs petites mesures et plus les grosses opérations comme on les a connues par le passé. Alors Nicolas Florian, c'est un peu vous qui êtes sur le banc des accusés parce que vous portez un bilan. Je crois qu'on on est tous comptables de la politique de logement, que ce soit dans le pays ou au niveau local. Moi, j'en regrette pas les décisions que nous avons prises il y a maintenant une dizaine d'années ou une quinzaine d'années, d'avoir une agglomération, parce que l'enjeu, il est aussi d'agglomération, une agglomération dynamique. Et que là où la ville perdait des habitants, je rappelle qu'en 1968, il y avait 300 000 habitants à Bordeaux. Et qu'à la fin des années 80, nous étions descendus en dessous de 200 000. D'avoir une croissance démographique. Donc ça, il ne faut pas le regretter. Et la production de logements, là où Pierre Rémy parle d'Eldorado des promoteurs, c'est plutôt l'Eldorado des habitants, parce qu'ils sont nombreux à nous avoir rejoints. En moyenne, c'est 2000 logements qui sont construits par an à Bordeaux et sensiblement autant de nouveaux habitants. C'est d'ailleurs une vraie question pour nous, parce que là où il y a 40 ans, il y avait 2,5 personnes par logement, aujourd'hui, c'est un peu plus d'une personne, 1,3 personne par logement. Et là aussi, il y a des décisions à prendre pour toutes ces familles monoparentales, ces familles qui se déconstruisent. Mais enfin, je ne vais pas m'étendre sur le sujet. Parlons d'avenir. Il faut maintenant équilibrer les choses. Il faut maintenant équilibrer les choses. Et ne pas être dans une logique de déconstruction. On est là pour loger les gens. Mais on est là dans une logique aussi où il faut bien loger les gens, et notamment à des prix accessibles. Les prix sont trop chers. Il y a deux choses. Il y a d'abord le prix d'acquisition.
On a vu les chiffres, ils sont cohérents. Donc, toutes les grandes agglomérations, comme le disait Vincent Feltès, on est passé en 10 ans de 3 500 € du mètre carré à 4 400 €. Donc, il y a une croissance, là où les salaires n'ont pas augmenté dans les mêmes proportions. Bon. Ça, c'est le prix à l'acquisition. Et puis, il y a aussi tous ceux qui n'ont pas vocation à être propriétaires. Dans le parcours résidentiel, vous pouvez commencer comme locataire. Je pense aux étudiants, je pense aux jeunes couples. Bon. Les locataires, aujourd'hui, nous avons 16 000 demandes en attente de logements sociaux. Là où nous livrons un peu moins de 2000 logements sociaux. Bon. Donc deux axes différents. Sur le prix d'acquisition, il faut développer ce que l'on a engagé. Alain Juppé l'avait engagé, Vincent Feltès l'avait engagé. C'est la notion de logement abordable et le logement l'accession sociale. Avec des prix de sortie autour de 3 000 €. On est capable aujourd'hui, dans 20% des opérations, d'avoir des prix de sortie à un petit peu moins de 3 000 €. Et d'ailleurs, la ville de Bordeaux, avec son passeport premier logement, participe à hauteur de 3 000 ou 6 000 €, suivant la composition familiale, pour aider les jeunes acquéreurs. Bon, ça, c'est la priorité sur la construction, avoir des logements abordables. Et revoir peut-être la répartition entre ce qui relève du logement social, 35% de nos opérations, 20% d'accession, et puis le marché libre, 45%. On doit justement pouvoir revoir une question sur le marché libre. On la touche du doigt à cette question. Est-ce qu'on laisse faire le marché? On l'a vu. Là, le marché, on l'a laissé prospérer. On manque de logements. Les prix sont hauts. Comment on fait pour remettre la main là-dessus? Je vous le dis, c'est sur le logement dit abordable, logement accessible. Ce qui a été proposé sur le foncier, bien évidemment, il faut qu'on aille plus loin. Vous êtes d'accord avec la proposition de Thomas Cazenave? Pas tout à fait sur les chiffres. Je ne vais pas rentrer dans un débat, mais 300 millions, c'est quand même beaucoup. Et je ne suis pas persuadé qu'on ait la capacité de mobiliser autant de financement. Mais en tout cas, pouvoir jouer sur notre propre immobilier. Et moi, les propositions que je ferai dans quelques semaines, c'est pouvoir mettre à disposition de bailleurs de l'immobilier de la ville, notamment pour les étudiants. Donc là, il y a des pistes pour peser sur le prix du foncier, mais je n'oublie pas les locataires. On va en parler, Nicolas Florian. On va laisser les autres candidats débattre. Oui, pour compléter, je pense qu'il n'y a pas de recette magique. C'est-à-dire qu'on ne va pas se réveiller un matin en disant aux promoteurs « bon, ça va falloir sortir du logement abordable ». Ce qui manque à Bordeaux, ce que d'autres villes ont réussi à faire, comme à Nantes, pareil. On parlait des autres grandes métropoles. Nantes n'a pas du tout le même prix l'immobilier, 3 000 € du mètre carré. On a un écart considérable. Donc si on veut pouvoir négocier avec des promoteurs, les bailleurs sociaux, des logements accessibles à la vente ou bien à la location, il faut que la puissance publique investisse. Et quand la Caisse des dépôts elle-même change les prêts aux collectivités locales pour prêter sur des durées très longues, à 90 ans, c'est la responsabilité de la puissance publique de s'en mêler et d'acquérir du foncier. Si on veut construire, comme le propose Nicolas Flamand, plus de logements sociaux, vous savez très bien que leur difficulté aujourd'hui, c'est le foncier. Donc la seule manière d'y arriver, c'est qu'on investisse là où on n'a pas investi ces dernières années. Et donc si j'ai proposé 300 millions d'euros, c'est d'abord c'est compatible sur 6 ans, on sait le financer sur des prêts à 90 ans, et parce que le manque, il est criant. Ce n'est pas pour sortir quelques centaines de logements, c'est pour sortir des milliers de logements et loger nos classes moyennes qui quittent la ville. Et une ville sans classe moyenne, c'est une ville qui ne fonctionne plus. Si nos aides à domicile ne sont plus là, si nos enseignants sont obligés de loger à une heure et demie, ça sera... Soit dans les classes moyennes. J'aimerais bien qu'elles soient dans les classes moyennes. Les aides à domicile, les aidants, je pense que les aidants qui s'occupent de nos aînés, je pense que ce font partie de la classe moyenne. Par mois, ils ont du mal à se loger dans Bordeaux, comme vous le savez, monsieur Feltès. Donc c'est là où je dis, la puissance publique doit s'en mêler. Et c'est comme ça qu'elle régulera. Comment vous voulez négocier avec des promoteurs si vous ne mettez pas sur la table une partie de votre investissement. C'est-à-dire que la puissance publique... Attendez, parce qu'on ne peut pas juste laisser Nicolas Florian dérouler et nous être coupés. Oui. Il y a d'abord... Est-ce que je peux dérouler un peu ma proposition? Je veux bien laisser la parole à Pierre, et après c'est moi qui parle. Merci, Porteur Courtoisie. Je veux bien un peu dérouler un certain nombre d'idées. D'abord sur la méthode. Je ne fais pas mon temps avec tout le monde si je suis maire. Ne vous inquiétez pas. Restons sur le front du dossier. D'abord au niveau de la méthode. Moi, si j'étais maire, vous demandez la question, comment ferais-je si j'étais maire? D'abord, j'aurais la curiosité d'aller voir ailleurs ce qui marche. Et c'est ce que nous faisons, nous, au moment où nous préparons un certain nombre de solutions extrêmement concrètes pour gouverner cette ville maintenant. Il y a des solutions qui marchent bien. Vous avez cité Nantes, et encore mieux que Nantes, c'est Rennes. Rennes, il y a 30 ans qu'il y a une maîtrise foncière, et actuellement, ils arrivent à avoir des logements équivalents aux Nantes, deux fois moins cher qu'à Bordeaux. Mais ça, c'est le problème de l'établissement public foncier, je n'y reviens pas. Quand vous regardez des villes qui arrivent à avoir des solutions qui sont assez intéressantes, en tout cas qui font des progrès, qui sont des villes chères, mais qui ont des progrès. Regardez ce qui se fait à Paris, où ils ont mis au point ce qui s'appelle les locations solidaires et sans risque.
C'est des solutions qui passent par l'intermédiaire d'un partenaire conventionné par la ville et qui servent d'intermédiaire entre des propriétaires qui souvent n'osent pas louer à des locataires en disant il y a toute l'aléa de l'inertie. Et je vous garantis que ça marche bien à Paris. Il n'y a pas longtemps qu'ils s'y mettent. Donc nous adopterons ce type de location solidaire et sans risque. Il y a une chose que nous ferons aussi à Bordeaux, et je vous prie, nous travaillons beaucoup sur ce terrain-là. J'ai demandé à un notaire ami de me permettre de bien finaliser la solution pour quand on arrivera aux manettes de la ville au mois de mars, c'est le viager municipal. Viager municipal, qui est aussi un viager solidaire, qui permet à la ville de contacter des personnes âgées, souvent des personnes seules, qui ont souvent des grands appartements, et de leur dire je vous achète l'appartement dans le style classique du viager, et en attendant, je mettrai tout en œuvre pour que vous puissiez rester chez vous le plus longtemps possible, et après, une fois que le viager jouera sa fonction finale, ça permet à la ville de récupérer du logement qui peut devenir du logement social, et surtout du logement social diffus. On va tout à l'heure parler du logement social. L'intérêt du logement social, c'est d'en mettre un peu partout dans la ville. Donc ça, si vous voulez, c'est un outil. J'en ai d'autres, mais bon, temps de parole. Je pense que le problème du débat sur le logement, c'est qu'il devient très vite technique. Hein. Ouais. Il y a des palettes de solutions. Ouais. Et donc, moi, j'ai juste deux réflexions. D'une part, il y a un stock. Aujourd'hui, il y a entre 150 000 et 160 000 logements sur Bordeaux, à peu près 11 000 échoppes. Qu'est-ce qu'on peut faire de ce stock en sachant qu'il y a 20 000 logements qui ne sont pas sur le marché courant pour les étudiants, pour les plus précaires, pour les gens qui n'ont pas les revenus. Donc ça, c'est une vraie orientation. Et donc, il faut qu'on monte en puissance en termes d'ingénierie. Il y a des expérimentations faites par des associations, y compris sur les plus précaires, qui fonctionnent bien autour du logement pour tous. Et d'un point d'abord. Et ensuite, il y a une autre question. Est-ce qu'on doit continuer les très grandes opérations d'aménagement qui, en plus, sont toujours à proximité d'autres quartiers où il y a une densité en logement social importante? Donc je pense que c'est ces deux grands ordres de grandeur qu'il faut avoir avant d'aller détailler de mesure par mesure. Avant de rentrer dans les... Pardon, et après je laisse la parole, mais dans les petites mesures, ouais, qui peuvent être des bonnes idées, il y a quand même notre politique du logement complète. Et il y a un point qu'on n'a pas évoqué, c'est la part de la défiscalisation dans tous nos programmes. On le disait, parce que la défiscalisation, quand même, elle a participé directement à l'inflation. Pourquoi vous faites venir à Bordeaux des gens qui investissent, qui ne sont pas nécessairement bordelais, qui sont lyonnais et parisiens, pour payer moins d'impôts, alors même qu'on a des Bordelais qui voudraient investir, acheter des appartements? Et je pense que si on pose la question de notre nouvelle politique du logement, il faut poser la question de la place de la défiscalisation dans les opérations. Et je pense, je veux dire, qu'on a été trop loin dans les programmes de défiscalisation. Sur ce sujet, parce que c'est un sujet important. D'une part, on s'aperçoit qu'en 3 ans, la part des programmes dits d'investissement locatif, la défiscalisation, est passée de 70% à un peu moins de 50%. Si on actualise les chiffres, on a un marché qui s'inverse à ce niveau-là. Par ailleurs, là-dessus, la ville, l'agglomération n'a pas la main. C'est la loi. C'est la loi, Vincent. Je n'autorisais aucun permis de construire défiscalisé. Parce que dans le permis de construire, il est marqué que c'est des opérations de défiscalisation. C'est pas déclaratif. La politique, où on négocie avec les promoteurs, ou on négocie pas avec les promoteurs. Des exemples de villes non défiscalisées, comme Rennes qui était citée tout à l'heure. S'il te plaît. Vous avez le bassin à flot, 70% de logements loi Pinel, monsieur le maire. 70%. On voit le résultat. Vous l'avez dit, Pierre Urmic, c'est la loi Pinel. Oui. Aujourd'hui, c'est la loi de Normandie, qui n'a jamais été aussi favorable, d'ailleurs, pour les investisseurs. Il y a eu la loi Seillé. Il y a eu toujours une constante là-dessus républicaine. Tous les gouvernements font de la défiscalisation. Il faut que la loi change. Mais pourquoi le législateur a fait ça? Et quels que soient les gouvernements, ça a été vrai avec François Hollande. Il en a même fait deux, François Hollande, lui. Bon. C'est vrai aujourd'hui. Sauf qu'il a avec mis ça sous condition de revenu. Oui. C'est la particularité à la loi Périssol. On a du public, on a des lecteurs qui veulent vous poser des questions. Je vais quand même finir là-dessus. On va laisser les lecteurs poser des questions. C'est un vrai sujet, l'investissement locatif. Et il faut rééquilibrer les choses, et c'est ce qui est en train de se passer, parce qu'il y a des logements qui sont en stock, comme le disait Vincent Feltès. Je rappellerai quand même que sur toutes les grandes opérations d'aménagement qui ont été menées, l'objectif, et quand on parle de laisser cours aux uns et aux autres, l'objectif dans toutes nos opérations, c'était d'imposer d'une part, en tout cas je parle pour Bordeaux, 35% de logements sociaux, 20% d'accession sociale ou abordable et 45%
sur le marché libre. Donc là-dessus, nous, on a imposé des choses. Et c'est en ce sens que je dis qu'il fallait sûrement revoir ces critères d'équilibre et peut-être baisser un petit peu l'accession libre et remonter le logement abordable. Mais si on va continuer d'en parler... Je rebondis juste parce que on est au cœur du débat. On doit absolument prendre quelqu'un là qui nous attend. Mais on est vraiment au cœur du débat. Nicolas Florian posait la question de la place de la défiscalisation. Le maire, il a toujours le choix. Il a toujours le choix de laisser ou pas une grande place aux opérations de défiscalisation. Ce n'est pas qu'un sujet national. Ouais, voilà, Messieurs, vous allez avoir tout le temps de vous exprimer. Il reste encore 40 minutes. Vous allez avoir tout le temps d'exprimer vos idées. On va prendre une question de lecteur, d'une lectrice plus précisément, Assia Artus, qui a donc une question à poser au candidat. On va l'écouter. Bonsoir. Donc, je m'appelle Assia. J'ai 20 ans. Je suis. Voilà. C'est bon. D'accord. Oui. Bonsoir. J'ai 20 ans. Je suis étudiante en troisième année en droit et sciences politiques. En droit et sciences politiques, du coup, à l'Université de Bordeaux. Voilà, bon, petit problème technique. Voilà, on va reposer la question parce qu'on n'a pas entendu Assia qui posait sa question. Alors, sa question, c'était: les prix des logements ne cessent d'augmenter et les propriétaires proposent de plus en plus de logements insalubres à des prix exorbitants, un réel problème pour les nouveaux arrivants et notamment pour les étudiants. Quelle solution concrète est-ce que vous proposez à ce problème, messieurs? On garde le tour de... Il y a des candidats en retard, donc Thomas Cazenave et Vincent Feltès. J'y vais sur la balle. Et le logement étudiant, à chaque rentrée, c'est la galère des parents et des étudiants. Bon, alors, on doit se féliciter du fait que notre université, elle est attractive, elle attire toujours plus d'étudiants, mais de se résoudre à ce qu'à la rentrée, on a encore des étudiants qui dorment dans leur voiture, c'est vraiment une galère incroyable. Donc, il faut construire plus de logements étudiants sur le campus. D'ailleurs, l'État vient de transférer à l'université les terrains pour construire plus de logements étudiants sur le campus. Et je crois que c'est une priorité fondamentale et il faut soutenir le président de l'université. Et puis, il faut constater qu'il y a plein de petites surfaces dans la ville qui ont été retirées, notamment pour faire la location saisonnière. Et c'est la question de la place du logement dit Airbnb, mais il y a d'autres loueurs. Et donc, il faut revenir là-dessus. Et donc, deux choses pour moi. Un, construire des logements étudiants sur le campus. Et c'est maintenant possible, puisque l'université a... Et deux, je reviens à ma première proposition, la maîtrise foncière. C'est parce qu'on aura notre mot à dire, parce qu'on aura investi dans des terrains qu'on pourra négocier avec des promoteurs et des bailleurs sociaux, la possibilité de réserver des petites surfaces aux étudiants qui nous rejoignent. Vincent Feltès. Trois choses. Premier point, effectivement, il faut construire. Au mois de mai 2019, il y a eu un partenariat entre le conseil régional et le rectorat pour produire dans les trois années qui viennent 2500 nouveaux logements étudiants, en sachant qu'aujourd'hui, il y en a 10 000. Mais 12 500 par rapport à 100 000 ou 110 000 étudiants, c'est nettement insuffisant. Il faut y aller. La région Nouvelle-Aquitaine produit à peu près la moitié des logements étudiants de France, mais ce n'est pas suffisant. Deuxième point, ce que je vous disais, c'est 20 000 logements qui ne sont pas sur le marché. Comment on agit là-dessus, y compris pour les étudiants? Comment on fait des baux temporaires? Je vais vous donner quelque chose qui ne concerne pas les étudiants, bien sûr, mais qui concerne les gens, les sans domicile fixe. Avec des baux transitoires faits par des associations comme le Diaconat, comme Harry, et ainsi de suite, et ils logent des personnes en grande précarité parce que les propriétaires qui ont un logement sont rassurés. Ça, c'est la seconde chose. Troisième point, à un moment, il faut se reposer la question d'une espèce de rééquilibrage territorial entre la métropole et d'autres villes plus ou moins importantes. L'université a noué un partenariat il y a quelques semaines avec Agen pour les premières années de médecine, alors qu'on sait que la fac de médecine explose ici. Je pense qu'on a eu un temps où la métropole bordelaise, comme les autres métropoles, s'est développée. Avant, il y avait Paris et le désert français. Maintenant, il y a Paris, les métropoles. Maintenant, il faut Paris, les métropoles et d'autres points d'équilibre. Ce n'est pas juste
en utilisant les mêmes termes de l'équation qu'on parviendra à tout solutionner. Moi, je veux bien répondre, ce que vous ne l'avez pas fait les uns les autres, à la question précise qui nous était posée. C'était le logement indigne et insalubre, la question. Ce n'est pas le logement étudiant. Je veux bien parler du logement. Je veux bien parler du logement étudiant. La question qui était posée par cette dame était une vraie question. Je regrette qu'on ne l'ait pas eu en direct. Enfin, en tout cas, on l'a entendu de votre bouche. Je pense que dans certains cas, il faut savoir qu'à Bordeaux, la moitié des logements étaient des logements qui existaient déjà avant les années 70. C'est-à-dire que nous avons, dans certains quartiers de Bordeaux, un logement particulièrement vieux. Nous savons que le législateur nous donne la possibilité, dans certains quartiers, ça peut même être fait dans certaines rues, où il y a un habitat particulièrement ancien, d'exiger ce qui s'appelle un permis de louer. Ça vous permet de faire en sorte que le propriétaire ne puisse pas mettre sur le marché de la location un taudis, un appartement indigne et surtout une passoire thermique. Donc, si vous voulez, il y a quelques outils que l'on peut utiliser. Le législateur nous en donne la possibilité. Absolument. Donc, je pense que ça, c'est une réponse directe à la question. Après, le logement étudiant. Vous rappelez tout à l'heure 100 000 étudiants à Bordeaux. À un moment donné, il faut se poser la question, est-ce que l'on va pouvoir accepter toujours plus d'étudiants à Bordeaux? Il faut accepter un nouvel aménagement du territoire urbain et extra-urbain. J'espère que nous aurons l'occasion d'en parler plus avant. Et de se dire à un moment qu'il y a aussi des universités d'équilibre dans des villes moyennes comme Agen, Pau, Bayonne, qui peuvent aussi accueillir des étudiants. Il faut que les métropoles... Il faut globaliser le problème des étudiants. Il faut arrêter ce slogan, à mon avis, complètement dépassé, je ne sais pas si vous y accrochez encore aujourd'hui, qui était Magnétique Bordeaux. Magnétique Bordeaux, ça voulait dire qu'il fallait tout faire revenir sur Bordeaux. Les activités économiques, les grandes écoles, les écoles de commerce, etc. À un moment donné, il faut être un peu plus partageur. Sinon, nous n'arriverons pas à loger tous ces étudiants. Nous n'arrivons pas à faire en sorte qu'ils puissent se déplacer également sur la métropole. Donc, je pense qu'il y a actuellement un nouvel équilibre à trouver. Précisément sur la question très pertinente de cette dame. Le permis de louer, c'est une bonne idée, comme le disait Pierre Rumic. Et d'ailleurs, nous avons un groupe de travail à Bordeaux Métropole sur ce sujet. Et la ville de Bordeaux va faire une expérimentation. J'ai demandé à ce qu'on fasse une expérimentation sur les quartiers Isère, Marne et Saint-Michel, afin de contraindre tous les bailleurs, les marchands de sommeil, hein, qui veulent mettre des logements sur le marché, d'avoir des conditions sanitaires dignes, dans de bonnes conditions d'isolation énergétique, et que par ailleurs, on impose de ne plus pouvoir diviser des logements pour en faire des petits volumes. Ça, c'est la première chose. Ça répondra à l'attente des étudiants, 10 000 étudiants de plus en 10 ans sur Bordeaux. Nous avons produit à peu près 1500 logements étudiants. Ce n'est pas suffisant. Il faut en faire plus. Et on a en programme, d'ici 2022, 400 logements étudiants supplémentaires par an. Et je pense qu'il faut monter à 600, 700 par an. La question de la dévolution de l'immobilier de l'université est essentielle. Et c'est pour ça que nous avons lancé avec l'État, la région, Bordeaux Métropole, InnoCampus, en relation avec l'université, l'hôpital, avec une vraie logique immobilière pour loger les gens. S'agissant d'Airbnb, on parle beaucoup d'Airbnb. Juste une question qui s'adresse à vous quatre. Oui. On a un lecteur qui va vous en parler. Et je finis juste quand même sur le logement. On a un bel outil qui s'appelle InCité, hein, qui fait des préemptions urbaines sur tous les logements insalubres. Moi, j'ai fait une visite dans le quartier Isère il y a quelques jours et nous avons au moins deux immeubles que nous allons préempter pour les faire réhabiliter et les mettre sur les logements étudiants. Alors, très rapidement, parce qu'on a une question qui va venir sur Airbnb d'un lecteur, mais là, on parle de programme, on les séquence. Qu'est-ce qu'on dit aux étudiants à la rentrée prochaine? Quand vous serez aux affaires, vous serez maire de Bordeaux. Je ne parle pas de programme, je ne parle pas de séquence. Moi, j'ai été aux affaires pendant plusieurs années à tête de la métropole. Je vois bien le temps qu'on met à sortir un programme d'aménagement. Quand est-ce qu'on pourra accueillir tous les étudiants? L'an dernier, Manuel Thunon-Larra, président de l'université, faisait un appel à son personnel pour loger les étudiants. Il faut un plan à peu près quinquennal. Il y en a qui dorment dans leur voiture. Il faut à peu près 500 à 700 logements supplémentaires par an, rien que sur la ville de Bordeaux, pour répondre. Et moi, j'ai une proposition que je ferai dans les semaines qui viennent. Je ne le fais pas avant les élections, j'attendrai après. C'est de pouvoir acheter deux immeubles à Bordeaux qui vont être en vente et les réhabiliter, voire avec un bailleur social, pour en faire que du logement social, ça pourrait faire 700 logements d'un coup en une opération. Oui, je pense aussi, assurer le logement des étudiants, c'est pas forcément construire. Je pense qu'à un moment donné, on va parler du logement vacant à Bordeaux. Je pense aussi qu'à Bordeaux, il y a beaucoup de personnes âgées qui habitent de grands appartements, qui ne demanderaient pas mieux que d'avoir un locataire étudiant pour partager, en plus pour une présence physique qui peut être intéressante. Mais ça suppose que la mairie s'implique là-dedans. Vous avez beaucoup de personnes âgées qui ne vont pas louer directement à des étudiants qu'elles ne connaissent pas.
si la mairie s'implique, si la mairie se porte caution ou directement ou par l'intermédiaire d'un organisme agréé, je vous promets que beaucoup de personnes âgées se sentiraient en confiance pour accueillir des étudiants. Ça, c'est une vraie mixité. Et c'est une façon de mobiliser ce qui existe déjà. Vous n'arriverez jamais à construire autant de logements étudiants que d'étudiants viendront à Bordeaux. Donc, mobilisez plutôt ce qui existe, et j'espère nous, nous en parlerons Thomas aussi. Cazenave, mobilisez le logement. Thomas Cazenave, Vincent Feltès, et on passe à la question du lecteur. Ouais, on est passé un peu vite sur la question logement vacant. Vincent Feltès le rappelait. C'est un énorme sujet. Moi, 10 000 logements vacants. Il y a 10 000 logements vacants. Je pense que... Après, j'aurais quelques précisions sur la notion de logement vacant. Non, mais les vrais, ceux qui sont inoccupés pendant plus d'un an, qui ne sont pas loués, honnêtement, alors même. C'est ça, 1 300. Non, alors, les derniers chiffres, alors vous en possédez un, il faut le partager avec nous, mais sur la donnée publique, 10 000 sur SINSEE. On ne peut pas laisser des logements vacants alors que des étudiants dorment dans la rue. Oui. Et donc, moi, ce que je souhaite, c'est qu'on contacte chacun des propriétaires, qu'on les aide, si c'est une difficulté, à rénover. Si ce n'est pas une difficulté, c'est juste de la spéculation parce que les prix montent, il faut qu'on applique strictement la taxe sur les logements vacants et qu'on mette sur le marché. Et juste une précision, je pense qu'on ne peut pas dire l'université, elle est attractive et finalement, il faut arrêter là. C'est magnifique, une université de Bordeaux attractive. Qu'on attire plus de chercheurs, plus d'étudiants, il ne faut pas juste que sur la question du logement, disent ben, allez donc voir à Agen, à Pau ou ailleurs. Vincent Feltès. Le diaconat, là, sur DSDF, hein, il s'engage chaque année à trouver 200 logements autour d'un toit d'abord. Vous n'allez pas me dire que quand on a 10 000 logements vacants plus 12 000 logements touchés par Airbnb, on ne peut pas avoir un plan de mobilisation autour de cet enjeu fondamental sur la jeunesse. Bien sûr, il y a la dévolution, bien sûr, il y a la construction, bien sûr, on sait qu'à partir de 2025, la courbe démographique va s'inverser, mais surtout, il y a des évidences qu'il faut saisir. À un moment, il faut revenir sur du bon sens, ne pas se perdre dans la surtechnicité qui est assez habituelle dans le logement. Alors, on va prendre la question... Les chiffres de l'INSEE sont les bons. Ce que je regarde, ce sont les chiffres de Philocom, qui est un organisme d'État, et qui précise qu'il y a le logement vacant structurel, c'est plus d'un an. Là, il y en a 5 300. Sur les 14 000. Donc il y a une action à mener sur ces logements, et c'est là où l'idée du permis de louer est une bonne idée, comme l'idée aussi de réquisition, s'il le faut, pour réhabiliter et remettre sur le marché. Alors on va prendre une question. Donc, alors, un mot sur le logement vacant. Moi, je suis étonné que la mairie ne soit pas capable de nous dire elle-même le nombre de logements vacants. Je viens de les donner, là. Non, mais ce n'est pas vous. Je pense qu'il faudrait un observatoire du logement vacant à Bordeaux, qu'on sache exactement où sont ces logements vacants. Je pense qu'il faut s'impliquer là-dedans. L'État fait très bien, il n'y a pas de raison qu'on le fasse à tous les quatre. Messieurs, sur un autre sujet majeur qui pose des problèmes au marché locatif. Jean-François Trapissi, le problème technique est résolu, qui va donc nous poser sa question. Allez-y. Bonsoir, Trapi Jean-François, j'ai 54 ans et je suis fonctionnaire hospitalier. Aujourd'hui, on parle de plus en plus de logements Airbnb au détriment des logements mensuels, des locations mensuelles. Comment allez-vous gérer cela ? Alors, messieurs, qui prend la balle ? Parce que... Allez, Nicolas Florian, puisque vous êtes aux affaires. Mais déjà, on a été la première ville avec Paris à prendre une disposition unique sur les résidences dites secondaires. Aujourd'hui, la loi... plafonne à 120 nuitées par an sur la résidence principale. Ça, c'est la loi. Et ça n'a pas changé, même si les sénateurs ont essayé de faire bouger les choses, mais ça n'a pas abouti. C'est sur les résidences dites secondaires, une sorte de marchand de sommeil. Et la ville de Bordeaux, depuis 2018, impose qu'à chaque logement mis sur Airbnb, on puisse justifier d'un autre logement sur le marché libre. Cette mesure, avec un droit d'enregistrement, des contrôles, a porté ses fruits. Sur les 5000 logements du centre-ville qui étaient sortis du marché libre, il y en a à peu près 1000 qui viennent de revenir sur le marché libre. Ça, c'est une bonne action. Si un jour, l'État décide de nous donner plus de moyens sur la résidence principale, on prendra. Mais en l'État, on ne peut pas baisser. Par contre, sur la résidence secondaire, on a fait des choses et on est les seuls avec Paris à l'avoir fait en France. Il y a beaucoup encore d'annonces illégales sur Airbnb. Bien sûr. La loi est là, mais c'est les chiffres même de la municipalité. Dans 70% des cas, ce n'est pas respecté. C'est vrai que je ne comprends pas la municipalité... On a 7 personnes qui font des contrôles. Pour le coup, vous aimez bien privatiser les choses. Mais ce n'est pas possible. La loi nous l'interdit. Alors non, ce n'est pas possible. Soyons concrets. La loi, on l'a fait bouger. Il y a des allers-retours permanents. Je ne suis pas législateur. C'est pas possible. Il y a des allers-retours permanents. Je vais finir ma phrase. Il y a des allers-retours permanents entre
les grandes villes, l'Assemblée nationale. Le rôle d'un maire de Bordeaux, 250 000 habitants, c'est aussi de bouger les choses. Et c'est incompréhensible pour les Bordelaises et Bordelais. Concrètes. Quand vous vous garez sans payer le parc-mètre, que vous soyez verbalisé dans les 5 minutes et que dans 70% des cas, les appartements Airbnb qui ne respectent pas la législation, eux, ne soient pas verbalisés. Moi, à un moment, il faut quand même un peu plus Monsieur d'efficacité un peu de municipale. Alors je vais rattraper mon retard et essayer de faire une proposition concrète. Effectivement, la loi, elle est là, elle existe, elle permet tout à fait de contrôler. On a des obligations, 120 jours, déclaration. Et vous disiez, Nicolas Florian, qu'il n'y avait que quelques agents publics qui pouvaient contrôler, ce qui est difficile. Moi, je le conçois complètement, et puis je ne veux pas qu'on crée des agents publics sur le contrôle Airbnb. J'ai proposé qu'on confie au secteur privé, à des prestataires, comme on le fait sur le stationnement, le soin de vérifier la bonne application d'Airbnb. La loi, elle est là. Faisons-la appliquer, mais soyons innovants dans l'application. Confions à des prestataires privés le soin de le vérifier. C'est concret, c'est faisable, on n'a pas besoin d'attendre une évolution législative pour le faire. Moi, je vais durcir la loi, parce que 120, c'est encore Je peux intervenir sur Airbnb avec votre autorisation. Airbnb, oui. Moi, je me rends compte, moi, je suis assez favorable au fait qu'on passe de 120 à 90 jours. Peut-être que ça se fera à Bordeaux, comme c'est envisagé dans d'autres villes, tout en étant conscient du fait que c'est un peu injuste. Car avec ce type de mesure, on met exactement la situation des professionnels du Airbnb et des gens pour qui c'est un petit complément de revenus qui font ça de façon tout à fait amateur. Alors, vous oui. Alors, mais j'ai une solution à vous proposer, parce qu'il faut regarder un peu ce qui se passe ailleurs. Là aussi, regardez, Berlin, ça a été une des villes, avec Barcelone, les plus impactées par le Airbnb. Ils ont pris une décision draconienne, je la trouve très bonne, et je pense qu'on pourrait l'appliquer à Bordeaux. C'est-à-dire qu'ils réservent le Airbnb à des chambres. C'est-à-dire que vous ne pouvez plus louer d'appartements avec le système Airbnb, mais vous pouvez uniquement louer des chambres. Ça veut dire que vous décider. Ne retirez pas Pierre, du marché locatif, comme c'est le cas à Bordeaux, 12 000 logements qui sont sur le marché locatif. Là, vous mettez uniquement. C'est et après, vous contrôlez. Mais vous voyez les annonces. Mais vous voyez les annonces. Une annonce pour une chambre, ça passe. Et si ce n'est pas une chambre, ça ne passe pas. Enfin, les économies centralisées, moi, ça, c'est limite. Voilà quand même, tout ça, c'est limite. Conception du rôle du maire. Quand on est maire de Bordeaux, est-ce qu'on peut faire bouger les choses ou on est juste pour appliquer Je l'ai fait. J'ai été. Non, mais Vincent Feltès, c'est moi qui l'ai fait. Je suis la seule ville avec Paris à avoir Ça a été fait quand, Nicolas Florian ? En 2018. Vous étiez maire en 2018 ? J'étais l'adjoint finance, c'est moi qui ai présenté la délégation. Oui, j'étais dans l'équipe municipale. Tout ça, c'est le sujet. C'est de l'écume. Je reprécise quand même juste. Non, quand même, sur les 5000 logements qui étaient recensés, enregistrés Airbnb, il y en a 1000 qui sont revenus sur le marché libre. Première chose. 12 000 tout à l'heure. Sur les 5000 de. Recensé, enregistré. 5 000 ou 12 000 Oh là 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 là. Il y en a 12 000 qui sont en annonce, il y en a 5 000 qui sont enregistrés. Effectivement, on a encore un travail à faire pour que les gens s'enregistrent. Là, moi, j'attends beaucoup. J'attends beaucoup, oui. Enfin, vous parlez beaucoup, moi, je travaille en travail. Je finis juste un truc. Il y a aujourd'hui une sanction qui est prévue de 50 000 euros pour tout contrevenant. Les premières décisions de justice vont tomber. Et vous verrez qu'une fois que les premières décisions de justice vont tomber, ça va faire évoluer les choses. Alors, moi juste compléter deux choses. Après, notamment la proposition de Pierre Hermé, que je ne la trouve pas très bonne. Parce que je pense qu'on peut avoir un petit appartement, une maison qu'on a envie, pour se payer des vacances, de louer quelques semaines dans l'année avec Airbnb. Il ne s'agit pas de stigmatiser tous ceux qui mettent un peu de beurre dans les épinards et qu'ils ont un appartement pour permettre de partir en vacances. Je trouve l'idée de restreindre juste aux chambres et de se dire on va revoir la loi, essayons déjà de la faire appliquer. Et je pense que pour répondre à la question de Jean-François, c'est ça ma proposition, avec des prestataires privés qui vérifient. Alors, on va passer peut-être à la question du logement social, messieurs, parce qu'on a beaucoup de questions à aborder et que le temps passe très vite. Il y a 41 460 demandes de logements sociaux qui ont été enregistrées en 2018. Et seulement sur l'agglomération. Sur l'agglomération de Bordeaux, bien sûr. C'est 16 000 sur Bordeaux. Oui, c'est ça, 16 000 sur Bordeaux. Bordeaux compte donc 18% de logements sociaux, oui, Nicolas. À peu près 19%. À la fin de l'année, on sera à 19%. Là où c'est la loi. En dessous du seuil exigé des 25%. Non. La question, c'est est-ce qu'il faut construire davantage de logements sociaux? Alors, attendez, oui, ça je pense. Alors d'abord, sur la loi, c'est 25%, la loi du flot, c'est 25% à atteindre en 2025. Est-ce qu'on va les atteindre en 2025? Avec le rythme que l'on a, on va les atteindre. Et les 20%, c'était à atteindre quand? Non. Oui, c'était la loi SRU. Moi, je parle de l'avenir, je ne parle pas du passé. Ah, c'est sûr, puisque vous le passé est catastrophique sur cette question-là. Catastrophique. Vous revendiquiez tout à l'heure votre séance de président de la CUB, toutes les opérations d'aménagement, on les a faites ensemble. Celui qui a parlé de la métropole millionnaire, c'est vous. Vous étiez à Villeneuve-d'Ornon. Vous étiez à Blanquefort. Sur le logement social, il en faut plus.
on a 16 000 demandes, là où chaque année, on peut attribuer 2 000. Et par ailleurs, il y a un tiers des demandeurs qui ont des revenus inférieurs à 1 000 euros. C'est pour ça qu'il faut faire du logement très social, du PLAI, 5 à 7 euros du mètre carré. Et dans toutes nos opérations, aujourd'hui, c'est 50% qui sont destinés à du PLAI. Donc, il faut faire plus. Alors, mais là, c'est dans le diffus, et je pense que Pierre Urmic, là-dessus, a raison. Nos opérations d'aménagement, ça y est, on a fait l'équilibre territorial. Vous annoncez l'amitié. Le gel de Brazza, de Bastille et du Belvédère? Non, parce que je ne suis pas celui qui va déconstruire. Parce que là, c'est pas tout à fait du diffus, quand même, quoi. Bon, mais monsieur Felkès, arrêtez de tout confondre. Je parle du diffus et sur le nombre de logements à construire. Il faut construire plus de logements sociaux. On en construit 1000 par an, il faut en construire 2000 par an. Je suis d'accord avec Nicolas Florent, il faut continuer à construire du logement social. Continuer à construire dans le diffus, effectivement, Niel, 60% de logements sociaux, c'est beaucoup trop. Mais surtout, je suis au regret de vous dire que. Elle est inatteignable, la cible aujourd'hui, de 25%. Si. Il faudrait, je vais vous dire, il faudrait construire que tous les logements qui sortent, bien sûr, vous le savez, que tous les logements qui sortent, je le regrette qu'on n'arrive pas à l'atteindre. Autrement, là, il faudrait, je termine, monsieur Laurent, il faudrait que tous les logements soient des logements sociaux. Et je ne souhaite pas qu'on sorte des opérations 100% logements sociaux. Donc, il faut faire plus. Et vous savez ce dont ils ont besoin, les opérateurs de logement social ? Ils ont besoin de foncier et de foncier accessible. Et j'en reviens à si nous n'investissons pas dans le foncier, nous ne mettrons pas en situation les opérateurs de logements sociaux de les sortir. Et sinon, on n'atteindra pas notre objectif. Mais ne faisons pas croire qu'en continuant, on atteindra la cible. Sinon, c'est que du logement social à 100%. Je dis qu'il faut faire plus. Je teste, Nicolas Florian. En matière de logement social, Bordeaux a inventé la double peine. Première peine, on n'en produit pratiquement pas pendant des années. Quand Alain Juppé accède à la mairie de Bordeaux en 1995, à peu près 15% de logement social. Quand il part, on est à 17 ou 18%. Quand Bertrand Delanoë accède à la mairie de Paris en 2001, 10% de logement social. Quand il part en 2014, 20%. Donc quand on veut, on peut. Ça, c'est la première peine. Deuxième peine, à un moment, on se dit, on se réveille, on va faire du logement social. Et quelle bonne idée on a ! Aubier, Grand Parc, c'est bien, il y a du logement social. Rajoutons-en avec Ginko. Bacalan, il y a du logement social. Rajoutons-en avec Bassin à Flot. Bastignelles, il y a du logement social à côté de la Benouge. Vous ne connaissez pas les dossiers. Il n'y a que 5% de logements sociaux sur la totalité du quartier. Il faut rééquilibrer, il faut faire la mixité. Mais sur la Bastide, il faut plus de logements sociaux. Non, mais attendez, sur Ginko, il y a quelle part de logement social ? Monsieur Florian, sur Ginko, répondez-moi. Quelle est la part de logement social sur Ginko ? Il y a 5% de logements sociaux sur Ginko ? Mais je vous parle de la Bastide. Non, mais répondez-moi, monsieur Florian. Oui, regardez-moi quand je vous pose une question. Vous n'êtes pas un maître d'école. Non, mais. Parce que c'est vous ne connaissez pas vos dossiers, monsieur Florian. Mais c'est vous qui ne connaissez pas les dossiers, vous ne savez pas de quoi vous parlez. Sur Ginko, il y a 5% de logement social. Est-ce que je vous ai dit qu'il y avait 5% de logement social ? Vous venez de dire ça ? Mais non, sur la base de logement social sur Ginko. Vous confondez les deux rives, monsieur Feltes. Non, mais attendez. Il y a d'un côté, c'est la rive droite, d'un côté, c'est la rive gauche. C'est à moi ou c'est à Pierre ? C'est à moi. Alors, je voudrais dire juste un point. Effectivement, il y a une mauvaise répartition des logements sociaux. Il y en a 30% à Bordeaux-Maritime, comme ça, ça évitera les discussions. À Lille-Auprès, quand il y en a 2% à Nancy-Outil-Saint-Gilles. Donc on a un sujet dans le diffus pour qu'on fasse plus d'efforts, plus de mixité, éviter de concentrer, parce qu'après on a les problèmes que l'on rencontre avec la politique de la ville et 20 ans plus tard, on doit les traiter. Donc effectivement, l'exigence de diffus, on doit se l'appliquer. Et Bastide-Niel, c'est effectivement 60% de logements sociaux qui vont arriver. Donc est-ce qu'on est capable d'avoir des quartiers équilibrés ? C'est la question et l'enjeu sur les prochaines années. Je rappelle quand même que 80% de la population peut accéder au logement social. C'est pas une infamie de vie dans le logement social. On essaye de l'équilibrer partout. C'est ce qu'on fait. Messieurs. Et d'ailleurs, on l'a fait ensemble parce que les opérations d'aménagement, on les a décidées. À l'époque, vous étiez président de l'agglomération. Je suis content de voir que la notion de logement social diffus est reprise par l'ensemble des intervenants. Je trouve que c'est une bonne idée. On a pêché par une concentration excessive de logement social. Le système de fonctionnement de la CUB était tel qu'on avait décidé à un moment donné, le logement social, on le mettait sur la rive droite et les activités, on les mettait sur la rive gauche. Et après, on s'étonnait qu'il n'y ait pas assez de ponts et que tout ça fonctionne très mal. Donc, cette concentration à outrance qui a présidé au choix de la CUB pendant des années, je pense qu'il faut à un moment donné dire on va quand même gouverner différemment. Je pense que nous avons la chance d'avoir aussi, ici à Bordeaux, il faut le dire, quelques opérateurs de logement social qui sont plutôt des gens plus vertueux que les promoteurs dont je parlais tout à l'heure. Si vous voulez faire accepter du logement social en ville, si vous voulez faire accepter un logement de plusieurs étages en ville, si vous vous y prenez comme un promoteur classique, c'est-à-dire des riverains qui, du jour au lendemain, découvrent un permis de construire avec un immeuble de 3 ou 4 étages en face d'eux, ça ne marche pas.
des recours devant le tribunal administratif, il y en a à l'appel, il n'y en a jamais eu autant, vous encombrez les juridictions administratives. Vous avez une autre méthode de construire. Ce sont celles que font certains opérateurs logement social. Je vais citer Aquitanis, mais je pense que les autres s'en inspirent aussi. C'est-à-dire qu'avant de construire, ils font de la concertation sur place. Ils vont voir tous les gens, tous les habitants de la rue, en leur disant, mais écoutez, nous nous apprêtons à construire. Est-ce que ça vous convient? Est-ce que vous pouvez donner votre point de vue, etc. Je pense que le logement social va être beaucoup plus accepté qu'il ne l'a été à une certaine époque, dans le diffus, en ville, à condition d'avoir des opérateurs Allez. Vertueux. Et je crois que nous en avons quelques-uns. On va passer à la troisième séquence de ce débat et on va revenir à un sujet que nous avons abordé un peu vivement, en tout cas pour vous deux. On vous écoute. On va prendre une question de lecteur. Voilà. Bonsoir messieurs. Ma question est, pensez-vous que Jimco soit un succès à Bordeaux ? Jimco est-il un succès à Bordeaux ? Alors, on n'est pas là pour parler des pourcentages, mais on parle de plus. Je peux y aller sur Jimco ? Je vous laisse la politesse. Moi, je trouve que Jimco, je vais vous dire, ça revient à la question que je posais sur la place de la défiscalisation dans les grands programmes. Aujourd'hui, quand vous allez à Jimco, quand vous discutez avec les riverains, les associations de quartier, il y a très peu de propriétaires occupants. Et c'est difficile de faire vivre un quartier, de faire vivre un immeuble sans propriétaire occupant. Que va-t-il se passer quand on sera à la fin du programme de défiscalisation et que tous les propriétaires... on y arrive là bientôt. Et donc, que va-t-il se passer? Et moi, je trouve qu'on touche là la limite de grands programmes faits à coup de défiscalisation. C'est la question que je posais et l'orientation qu'il fallait prendre sur notre nouvelle politique de logement. Je trouve que d'un point de vue architectural, le Paris près du lac me plaît, mais quand on voit la difficulté à faire vivre dans la durée, parce que c'est une question finalement de lien social et de sur-fiscalisation, défiscalisation essentiellement avec des investisseurs. C'est ça l'enjeu. Faire vivre la ville, c'est pas uniquement faire des produits de défiscalisation. Je peux répondre sur ce point, tu permets, Vincent, parce que sur ce point-là, je pense que mon voisin confond Jimco et le bassin flot. Jimco précisément. Jimco, alors autorisez-moi à parler. Non, mais non, Pierre. Autorisez-moi à argumenter quand même. Oui, si mais vous je vois très bien ce que c'est Jimco. Jimco, c'est 50% de logements libres. Et vous avez 30% de logement social et vous avez 20% de logement social en accession maîtrisée. Donc, si vous voulez, il y a 50% de logements libres et il n'y a pas que du Pinel dans ce logement libre, loin de là. Le bassin à flot, c'est 70% de logements défiscalisés. Ça n'a rien à voir. Et Jimco, excusez-moi, permettez-moi de dire, autant je trouve que le bassin à flot, c'est un exemple cuisant d'un urbanisme dépassé qui est complètement loupé, permettez-moi de le dire, autant Jimco, je trouve ça beaucoup plus aéré. Il y a une vraie vie de quartier. Il y a une vraie vie de quartier à Jimco. Il y a plus de propriétaires. Donc ne mélangez pas les deux. Mais c'est pas exactement. Pierre, c'est pas exactement la même chose. Pour ça, je ne veux pas répliquer les joutes de la table d'en face de tout à l'heure. Mais quand même, c'est caricaturé complètement. Non, j'ai donné ton parole. Jimco, c'est un peu le symbole de ces grandes opérations. C'est parce que j'ai plus de décibels. Non, mais ce qui est, je trouve que Jimco est très représentatif des dérives sur ces grandes opérations. Jimco, la décision d'attribuer Jimco à Bouygues, à l'époque, c'était Alain Rousset, président de la CUB. Donc ça remonte. On était juste sur quelques milliers de logements, puis on en a rajouté. J'invite tout le monde à aller se promener sur l'avenue des 40 journaux, les dernières opérations, mais avec une densité, honnêtement, dans les 10-15 ans, ça va vraiment être terrible. Et moi, la réflexion que je me fais, c'est que ces grandes opérations, un moment ou un autre, on ne les maîtrise plus. Un moment ou un autre, elles nous échappent. Un moment ou un autre, les équipements collectifs qui devaient être là sont toujours retardés en termes de transport collectif, en termes de franchissement, en termes de gymnase, en termes de maison de la danse. Et à la fin, il peut y avoir toutes les enquêtes faites par l'agence d'urbanisme. Quand vous voyez un tel taux de rotation, les gens qui sont sur place, quand vous discutez avec les commerçants, quand vous discutez avec les pharmaciens, quand vous allez dans le centre d'animation, des investissements ont été faits, mais il n'y a pratiquement pas de vie associative. Donc pour moi, c'est folie que de continuer sur ces grandes opérations à 3 000, 4 000, 5 000 logements, comme c'est prévu à côté d'ici, avec Brazza, Bastignel, Belvédère, où la population de la Bastide va passer de 15 000 habitants à 45 000 habitants
en 10-12 ans, ça me paraît totalement délirant. La question du service. Oui, enfin, je rappellerai quand même Vincent Feltès qu'il est en contradiction avec lui-même. C'est lui qui avait prophétisé les 1 million d'habitants sur l'agglomération. Mais j'ai pas prophétisé les 1 million d'habitants. Il y a 20 000 personnes qui arrivent par an. Et qui avait lancé le programme des 50 000 logements. Mais je referme on ne parle pas du passé, on va parler de l'avenir. Je confirme les chiffres de Pierre Urmic. Il n'y a que la moitié des logements de Ginko qui sont en vente libre. Le reste est en logement social et en accession sociale maîtrisée. Ginko, 1500 logements livrés. On a fait une enquête il y a quelques mois. Il y a à peu près 75% des habitants qui disent être contents d'être venus habiter à Ginko. Le vrai problème sur Ginko, et j'y étais pour un conseil de quartier il y a encore quelques semaines, c'est les abords, propreté. Ça ne marche pas. Les bacs en terrain ne marchent pas. Et on est en train de trouver des solutions sur la propreté. On a une difficulté sur le stationnement. Il est réel. On est en train de faire construire et il va y avoir un parking de livrée pour répondre à ces questions. Donc au-delà de l'aménagement du quartier, qui est un éco-quartier, qui est un beau quartier, ça a été dit, c'est tous les à côté. Et quand on parle de logement d'ailleurs, il faut aussi parler de vie sociale, de vie humaine. Regardez ce qui se passe derrière les murs et ce qui se passe à l'extérieur du mur. C'est les équipements publics. Vincent Feltès a raison. On ne peut plus tolérer que des équipements publics ne soient pas livrés en même temps que les opérations. Un sujet avant de rentrer derrière les murs, les murs justement, ils sont parfois un peu fragiles. Enfin, on vous parle d'expérience. Il y a des balcons, oui, c'est vrai. Pas une semaine se passe au journal, à Sud-Ouest, sans que nous ayons des riverains qui se plaignent de la qualité du bâti, de la qualité des logements tels qu'ils sont livrés. Qu'est-ce qu'on fait ? Vous qui aspirez à être maire, comment on remet la main aussi à la fois sur le foncier, comme vous le dites Thomas Canard, mais aussi sur la qualité qui doit être livrée. D'abord, les deux sont liés. Moi, je suis content que vous nous interpelliez sur la qualité, parce qu'on ne doit pas rencontrer exactement les mêmes habitants à Ginko. Il faudra qu'on y aille ensemble. Je n'ai pas parlé de la qualité du tout. Non, mais j'ai parlé de l'équilibre. Je vais vous dire sur la manière. On ira. Vous ne m'écoutez pas. Pierre, on ira ensemble. Mais moi aussi. Et je vais vous dire, on n'a pas exactement le même ressenti. Le taux de rotation, il est très élevé. Et la question de la vie de quartier, elle est difficile à prendre aussi. Même s'il y a de la bonne volonté, il y a des associations. Et la qualité, elle est liée à la maîtrise, c'est-à-dire à quel point, à un moment, la puissance publique, elle peut négocier, elle peut imposer. Comment elle peut le faire ? Ce n'est pas uniquement en délivrant un permis de construire. Nicolas Florian le reconnaissait en tout début d'émission. C'est-à-dire qu'à un moment, la maîtrise foncière, elle vous permet aussi d'imposer des cahiers des charges, des conditions, et aussi sur la qualité de ce que les opérateurs peuvent livrer. Ce que vous évoquez, c'est la camelote de ces logements. Autorisez-moi à faire une référence un peu professionnelle. Je suis souvent plaidé pour des occupants, des locataires ou des propriétaires de ces logements, essentiellement d'ailleurs au bassin à flot, qui se plaignent effectivement des équipements qui sont totalement défectueux. Et je suis persuadé que le gros œuvre qui est tenu à la garantie nationale, vous verrez qu'au bout de 10 ans, tout s'effondrera. D'ailleurs, j'avais remarqué que vous verrez. C'est d'ailleurs Alain Rousset lui-même qui avait dit, à propos du bassin à flot, il y a quelques années, Vincent Feltès s'en souvient peut-être, il a dit, dans 10 ans, le bassin à flot, c'est une friche urbaine. Alain Rousset, quand même président du conseil régional, qui avait fait ce commentaire, et je pense qu'il était dans le vrai. La mairie de Bordeaux rencontre régulièrement les promoteurs immobiliers pour discuter de chartes, sur le prix, etc. Je pense qu'il faut qu'elle soit beaucoup, beaucoup plus exigeante en leur disant, sur le territoire de Bordeaux, j'exige qu'on aille au-delà des obligations légales, même si ces dernières ne sont pas toujours respectées, qu'on aille au-delà et qu'on livre sur Bordeaux des logements qui ne soient pas des logements camelotes, comme c'est le cas dans certains quartiers. Et ça, c'est le rôle du maire. Ce n'est pas le problème du prix du foncier. C'est vraiment tenir un peu la dragée haute de temps en temps aux promoteurs immobiliers. Quand on livre la camelote à Bordeaux, ça serait faire insulte à plein de corps d'État. Qu'on soit plus vigilant, je suis d'accord. Et là, on traite d'un sujet de l'avenir sur l'innovation de la construction, la qualité de la construction. Et effectivement, les collectivités, l'agglo, la ville, doivent imposer plus de normes sur l'isolation. Moi, je pense qu'à un moment, il faut sortir du carcan des normes. Et après, moi, la leçon que j'ai tirée de ces expériences, discussions, visites, c'est quand même qu'il y a un problème d'échelle. Vous produisez 100, 150 logements, vous arrivez à construire, vous êtes plutôt avec des bâtisseurs locaux, des architectes locaux. Vous êtes sur 1000, 2000, 3000, 4000. Vous avez la même chose à Dunkerque, Bordeaux, Nantes, Lyon. Vous avez les mêmes grands promoteurs nationaux et vous avez les mêmes dysfonctionnements. Alors, on va prendre une dernière question, messieurs, parce qu'il nous reste très peu de temps et que, comme promis, on avait 4 questions de lecteurs. Donc, on va écouter la dernière question d'une lectrice.
Bonjour à tous et à toutes. Agnès Revaux, je suis conseil auprès des chefs d'entreprise TPE et PME de la région Aquitaine. Je voulais poser une question généralement à l'ensemble des candidats. Comment construire ? On a parlé de volume de logement, on a parlé de qualité de logement, mais maintenant, comment construire écologiquement ? Alors, comment construire écologiquement ? Vous avez pris ma l'ancienneté, Pierre Hermic ? Non, je pense que... Non, mais dans l'engagement écologiste, pardon. Non, justement, je laisse la parole à mes contradicteurs, précisément. Je suis attendu là-dessus. On a nos modèles de construction qu'il faut faire changer. Pendant très longtemps, on a considéré qu'il fallait notamment maintenir la chaleur à l'intérieur des logements. Avec le réchauffement climatique, l'enjeu, c'est plutôt l'inverse, c'est d'isoler de l'extérieur. Et puis, on a beaucoup de progrès à faire sur toutes ces qualités écologiques du bâtiment. Moi, j'attends avec impatience qu'on puisse utiliser l'eau pluviale pour arroser des espaces publics. Aujourd'hui, la loi ne nous le permet pas. J'attends avec impatience qu'on puisse avoir sur la plupart des toitures du photovoltaïque. On l'impose, mais on sait que c'est encore un peu cher. Il faut aller plus loin et prendre en charge peut-être une partie du surcoût. Moi, j'attends avec impatience, et j'ai mis au défi d'ailleurs les promoteurs et les bailleurs, d'avoir des toitures non pas végétalisées, mais potagées, comme ça se fait dans certaines villes d'Europe. Voilà. C'est aussi des parkings mutualisés, moins de palaces individuelles, c'est des parkings à vélo plus développés. Il faut revoir aussi complètement et innover sur le modèle de construction. C'est l'enjeu de demain. Alors, on va répondre rapidement, messieurs, oui, je suis désolée, parce qu'après, il va falloir conclure. Oui, donc, je vous laisse répondre à ces questions rapidement. On a un enjeu de développer un nouvel urbanisme, et c'est très concret. Plutôt que détruire, réhabiliter. Et quand je vois, par exemple, l'exemple de la rue Bordelaise, qui va éventrer le quartier de la gare, partir de la gare jusque sur les quais, ouais, pour y mettre 27 000 m² de surface commerciale, un grand mall à ciel ouvert, où on casse, on détruit, alors qu'on sait qu'on a une énorme empreinte environnementale dans la construction. Il faut que nous soyons plus sobres. C'est ça l'urbanisme de demain, respectueux de la transition écologique. Réhabiliter plutôt que détruire. Donc j'entends toutes les initiatives qui seraient bonnes à prendre, mais là il faut prendre des actes concrets. On peut arrêter la rue Bordelaise. On peut se dire que ce n'est pas comme ça l'urbanisme de demain. Qu'on doit développer des matériaux biosourcés, des filières de réemploi. Mais là, quand je regarde concrètement ce qui est engagé, je dois dire que la rue Bordelaise, elle est aux antithèses de cet enjeu d'un urbanisme plus sobre et avec moins d'impact environnemental. Oui. Vincent Fattès. Moi, ce qui m'intéresse d'abord, c'est les 150 000 logements qui comprennent à peu près 250 000 personnes. Et nous, on a une proposition, c'est une proposition 3 en 1. Isolation thermique, notamment par le grand emprunt vert. Capacité constructive supplémentaire, notamment pour les 11 000 échoppes, 10-15 mètres carrés. Et évolution démographique, parce qu'on sait que la population vieillit. Donc, il y a d'abord Bordeaux, ville écologique, c'est ce patrimoine de 150 000 logements. Et après, arrêtons les grandes opérations commerciales ou d'aménagement immobilier, surtout s'il n'y a pas les équipements derrière. Pierre, oui. Moi, je pense que le problème qui est évoqué par cette dame concerne davantage le logement ancien que le logement neuf. Le logement neuf, il y a désormais des normes qui sont drastiques, surtout les dernières qui viennent d'être prises, qui font qu'on sait construire maintenant des logements à énergie positive. Encore faut-il s'en donner les moyens, qu'une ville encourage ce type de construction. On sait faire. Le problème, c'est le logement ancien. Et Bordeaux, c'est vrai, je le disais tout à l'heure, 58% des logements à Bordeaux étaient déjà là en 1970. Donc c'est vraiment des logements anciens qui sont pour la plupart d'entre eux des passoires thermiques. Nous avons, et vous n'avez pas contredit ce chiffre, à peu près sur Bordeaux, 13 000 foyers qui sont actuellement atteints de ce qu'on appelle la précarité énergétique, c'est-à-dire qui vivent dans ces logements. Et c'est ça la priorité, si vous voulez, plus qu'écologique, c'est une priorité sociale. Faire en sorte que ces 13 000 foyers bordelais puissent avoir des propositions très concrètes pour faire rénover leur logement, pour avoir accès à un certain nombre d'aides et qu'ils puissent eux aussi loger dans des logements qui seront écologiquement responsables et qui pourront même s'avérer être à énergie positive. Messieurs, si vraiment on s'en donne les moyens. Juste le temps de la conclusion, Thomas Cazenave, vous êtes le premier puisque vous avez été tiré au sort. Donc si vous n'avez pas eu le temps d'exprimer toutes vos propositions, vous avez une minute pour conclure face caméra. Vous m'interpellez souvent sur les questions du logement, pouvoir se loger, le prix du logement. Vous êtes un jeune couple, vous êtes infirmier, vous êtes retraité, une personne seule avec ses enfants, et vous avez peur de quitter Bordeaux. Et moi, ma priorité comme futur maire, c'est garantir que la ville, elle est accessible à tous. Il n'y a pas de fatalité. D'autres grandes villes attractives ont su réguler le prix de l'immobilier. Et pour ça, il faut changer de méthode. Assumer que la puissance publique, la mairie,
investit dans le foncier les terrains. On doit redevenir maître de notre destin pour sortir des logements plus accessibles, à la fois à la location et à la fois à l'achat. Et puis je crois qu'il faut construire différemment la ville. Plus de grandes opérations. Quand on sort des logements, sortir l'école, l'espace vert, les équipements publics, les transports qui vont avec, c'est revoir la manière dont on construit la ville pour que partout et pour tous, Bordeaux soit synonyme de qualité de vie. Pierre Hermic. Moi, je pense, je l'ai dit un peu au début dans l'intervention, je pense qu'il faut revoir totalement le modèle de ce que j'ai vu la dernière rencontre des agences d'urbanisme appelée l'ultra-métropolisation. C'est-à-dire que l'on a trop concentré sur les métropoles, toutes les activités. Et je pense que ce modèle-là, il est terminé. Il faut avoir une vision d'aménagement du territoire beaucoup plus équilibrée, beaucoup plus sociale, pour faire en sorte que nous n'ayons pas les métropoles égoïstes que nous avons su construire aujourd'hui. J'ai fait une proposition concrète, vous vous en souvenez peut-être, messieurs, à la métropole, il y a quelques mois, j'ai dit plutôt que d'avoir 36 000 postes de vice-président à cette métropole qui sont distribués comme des gâteaux au maire, il faudrait qu'on ait une vice-présidence lourde qui soit dédiée à ce que j'ai appelé l'équilibre métropolitain et extra-métropolitain. En pensant qu'aujourd'hui, notre métropole sera viable si on s'intéresse enfin à ce qui se passe au-delà de la métropole. Notre tramway, c'est un tramway qui a une superficie extrêmement réduite, qui fait du cabotage à l'intérieur de la métropole. Et nous ne nous intéressons pas suffisamment à l'extra-métropolitain. On a envoyé les Bordelais vivre de plus en plus loin de la ville parce qu'ils ne veulent plus se loger à Bordeaux. Là, c'est un lien direct avec ce qui nous occupe aujourd'hui. On s'étonne que la rocade soit bouchée tous les matins. Tant qu'on ne prendra pas la peine de réfléchir sur un nouveau modèle métropolitain, je pense qu'on ira dans le mur. On ne va pas régler les problèmes un par un. Il faut une vision différente. C'est, je le disais au début de l'intervention, la fin de ce système qu'il nous faut aujourd'hui acter. Vincent Feltès, à vous. Chaque année, il y a 20 000 nouveaux habitants en Gironde. Il faut les loger. C'est une responsabilité politique. La question, c'est où on les loge, comment on les loge. Moi, j'ai trois propositions concrètes. Une première qui est effectivement un nouvel équilibre territorial entre Bordeaux, la métropole, et le hors-métropole. C'est le projet du RER métropolitain. Seconde proposition concrète, c'est ces 20 000 logements vacants Airbnb qui ne sont pas sur le marché, qu'on se batte pour qu'ils reviennent sur le marché, qu'on mette la même énergie, qu'on mette les mêmes crédits. Et là, les étudiants, ce n'est pas dans 5 ans qu'ils seront logés, mais c'est dès le mois de septembre. Et troisièmement, par pitié, qu'on arrête ces grandes opérations d'aménagement sans équipement collectif, sans transport collectif. Et je répète ce chiffre, 15 000 habitants aujourd'hui à la Bastide, 45 000 demain si on ne met pas le haut-là. Nicolas Florian. Le droit au logement est un droit fondamental de la personne humaine. Et je ne serai jamais celui qui déconstruira la ville. Il faut loger nos concitoyens. On a besoin de logement. Mais ça, il faut le faire dans l'équilibre. Équilibre territorial à l'échelle de la ville. Il ne faut pas concentrer les opérations sur un seul secteur. Équilibre à l'échelle de l'agglomération, du territoire. J'entends la fracture territoriale. Et il faut qu'on développe aussi les offres de logement à l'extérieur de l'agglomération. Et puis de la mixité. Mixité générationnelle. Il faut que les jeunes, nos étudiants, puissent se loger. C'est leur autonomie qui est en cause. Il faut que les jeunes couples puissent aussi accéder et être dans un vrai parcours résidentiel. Et je ne veux pas oublier les anciens, les personnes les plus âgées, qu'elles puissent rester le plus longtemps possible dans leur logement. Et c'est pour ça que je proposerai une aide spécifique pour les aménagements dans le logement pour les personnes qui sont en vieillissement. Et puis, il faut aussi revoir nos usages, nos comportements, comment on trie les déchets, comment on se déplace, la qualité de construction. Il faut de l'innovation et aller vers plus de constructions écologiques qui répondent aux défis climatiques. Mais sachez-le, autant que le logement, je veux m'intéresser à ceux qui y habitent, ceux qui y résident. Il faut de l'hospitalité à Bordeaux. Les nouveaux venus sont les bienvenus, mais je n'oublie pas non plus ceux qui habitent là depuis plus longtemps. On peut reparler parce que... Non, hélas, c'est terminé. Vous ne pouvez pas rebondir, mais on peut continuer hors antenne avec tous les lecteurs. Merci, messieurs, vous êtes rendus disponibles. Écoutez, vous retrouvez évidemment de fines analyses dans Sud-Ouest dès ce soir sur sudouest.fr. Vous pouvez regarder le débat à l'infini sur tv7.com. Et merci à tous les lecteurs d'être venus ce soir et écouter les candidats. Quant à nous, on prend les mêmes et on recommence d'ici un mois et on parlera de la ville face aux défis climatiques et environnemental. Voilà le menu de notre prochain débat. Merci à tous, à très bientôt. Bonne soirée.